Aujourd'hui, je voulais vous parler du fluor numéro atomique 9. Alors, le fluor, il a été découvert et isolé par un certain monsieur Moisson, personnage très important au niveau de BSL, puisqu'il a été prix Nobel de chimie d'abord, mais aussi directeur de l'école de chimie, directeur de l'école des hautes études, un personnage considérable. Le fluor, c'est le 13e élément le plus abondant sur Terre. Alors on va le trouver dans un minéral qui est présent à ma droite, que l'on connaît bien, il s'agit de la fluorine. Regardez cette diversité de couleurs. La fluorine est un minéral relativement abondant que l'on trouve dans des filons. Notamment, l'exploitation va se faire aujourd'hui au Mexique, en Afrique du Sud, en Chine. Ce sont les premiers producteurs actuels. Le mot fluor, fluorine, vient de couler. C'est une origine latine. D'ailleurs, ce minéral était connu depuis l'Antiquité. Et au niveau de ses usages, c'est bien une utilisation que l'on va valoriser pour pouvoir favoriser effectivement l'écoulement. On va retrouver aussi le fluor pour fabriquer l'acide fluorhydrique, un peu moins glamour. Mais on a aussi le fluor dans la composition de certains verres. Voilà, il y a plein d'autres utilisations du fluor, on pourra en parler une autre fois, mais il est bientôt temps de passer au prochain numéro qui est le sodium.